Bonjour tout le monde. Allez, c'est reparti pour une petite pêche au feeder cette fois-ci. Alors, cette pêche au feeder, elle va être un peu spéciale car je vais pêcher au chenvi. Je vais pêcher à l'anticreux rempli de chenvi. Alors, le montage, le voici. C'est un anticreux comme ceci avec un petit hameçon de 10 monté aux cheveux, un petit bas de ligne à peu près de 25 cm. Voilà, bon, là il est vide. Je vais le remplir de chenvi. Donc c'est un anti-creux en 15 mm et bien sûr je vais pêcher aux méthodes feeder. Alors pour l'amorce, là je vous montre un petit exemple, mais j'ai un bac qui est plein. Là-dedans il y a, alors c'est composé, il y a un peu de frolic, il y a un peu de chenvi broyé et après des petites particules de maïs, de blé, enfin un peu tout ça quoi. Et là-dedans je vais y rajouter, pour le faire comme il faut, cette amorce. Je vais, au lieu d'y mettre de l'eau, d'y mettre un boost spécial, moi ce que je vais y mettre dedans, c'est du liquide de Tiger. Donc c'est-à-dire quand j'ai fait cuire mes Tigers, bon, je m'en suis servi, puis il reste toujours du liquide. Donc je l'ai mis dans des bouteilles pour le garder, et puis je m'en sers pour préparer mon amorce. Donc je prépare tout ça, je me mets en place, et puis je vais essayer de vous montrer du poisson. Un petit creux, voilà. Ça y est. Il est rempli de chenvi. Donc il ne me reste plus qu'à le mettre sur mon cheveu, donc avec une aiguille, on va monter ça sur le cheveu. Petit montage au cheveu, comme je vous ai dit. Voilà, alors derrière un petit soap flotte pour bien venir bloquer tout ça, pour éviter bien sûr de le perdre au jeté. Voilà, c'est monté, il n'y a plus qu'à. Allez, je mets ça en place et on essaye. Je vous montre. Pardon. Voilà la méthode. Alors comme vous voyez dans l'amorce, bien sûr, j'ai rajouté aussi des graines de chenvi. L'anticreux qui est prêt. On n'a plus qu'à essayer. Voilà les amis, c'est mis en place. Alors bien sûr, je ne jette pas quelques cages d'amorçage ou des petites bombes comme je fais d'habitude, parce que les eaux sont très froides en ce moment, donc ça sert à un tout de faire un gros amorçage. Je le tente comme ça et on va bien voir ce que ça donne. Je reviens vers vous dès que j'ai un premier départ. Ça n'a pas mis longtemps. Allez, 2-3 minutes, premier départ. Ce bel petit miroir. Voici, premier poisson. Alors par contre aussi, quand je jette, là je pêche à peu près une quarantaine de mètres. Je connais parfaitement ce petit lac, donc j'ai pas besoin de clipper quoi. Donc c'est parti, on remet ça en place. Et puis on va aller chercher sa petite sœur quoi. Voilà une autre petite miroir. Comme je vous ai dit, elle est allée me chercher sa petite sœur. Hop là, on va éviter de la faire tomber par terre, ça serait dommage. Et ça serait pas cool du tout. Allez. Elle repart. Et puis on va continuer. Après ce deuxième poisson, bon ben toujours pareil. Alors je viens de changer le chenvi dedans. De temps en temps c'est bien de le changer. Et ce qu'on peut faire aussi, je vais vous montrer. Là je vais prendre du gros. Bon peu importe la marque, hein, on s'en fout. Là moi celui-là il est à la pêche. Et voilà, je vais en mettre dedans, comme ceci.
Ça va diffuser, ça va être sympa. Voilà. J'ai plus qu'à aller mettre ça sur mon méthode. Et puis on va essayer d'en cacher un troisième poisson avec ça. Ça fait à peu près 3 heures que je pêche et je totalise pour le moment. Alors je suis à 7 poissons. Voilà, je les mets sur le compteur à chaque fois, sinon j'oublie. Alors je suis à 7 poissons et 4 décroches. Donc je fais quand même 4 décroches, comme je vous dis. Je pense que ça vient de l'anticru qui est quand même un peu gros pour les petits poissons que c'est. Mais bon, voilà, on continue en espérant toucher d'autres. Petite session de pêche est terminée, où c'est que j'aurais fait alors 5 heures de pêche et j'aurais totalisé alors 9 poissons et 4 décroches. Donc voilà, on peut très bien pêcher avec un anticreux rempli de chenvilles, mais après il n'y a pas que ça, vous pouvez aussi le remplir de pelés, des petits pelés, ça marche pareil. Voilà, bon, ben j'espère que ça peut vous aider. Moi en tout cas, ça m'a permis de faire du poisson, donc à vous, ça peut le faire aussi. Allez, à une prochaine.